Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, ça fait le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu One Piece Fighting Bass. Selon dans cette vidéo, je vais vous montrer le coup de cœur que j'ai pour certains persos et qui, selon moi, sont les meilleurs du jeu. Bien évidemment, pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, eh bien, je t'invite à le faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous l'aurez compris, hein, moi, pour moi, Mihawk, il est vraiment incroyable, les amis. Mihawk, c'est the best. Voilà, clairement, pour moi, c'est the best. Mais attention, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, les gars. Sanji. Sanji, je le trouve incroyable. Le Sanji SS de type jaune que vous voyez là juste à l'écran, je trouve qu'il est incroyable. Non mais vraiment les amis, je ne l'avais pas encore testé en PVP. Je l'ai débloqué récemment avec vous en live sur la chaîne Twitch. Et là du coup, je l'ai un peu testé tout ça. C'est impressionnant. Clairement, c'est impressionnant. Tu mets Mihawk et tu rajoutes également Sanji en PVP. Et puis après, bah voilà, moi, vous le savez très bien, je kiffe à fond Zoro. Donc bien sûr, je joue Zoro Renoir Tolo. Dans l'animation, dans le gameplay, dans les graphismes et tout, je trouve qu'on a vraiment un excellent jeu. Je le rappelle au cas où, pour ceux et celles qui ne le savent pas, One Piece Fighting Pass est un jeu mobile gratuit. Sauf que pour l'instant, il n'est que sous... il est développé par des Chinois, donc il est sorti qu'en Chine. Il n'est pas encore sorti en version globale, et du moins pas encore en France. On espère le voir arriver prochainement. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, je me régale sur le jeu. Et au cas où, pour ceux et celles qui ne l'ont toujours pas téléchargé, ne croyez pas que la langue chinoise est une barrière. Non, pas du tout. Bref, dans cette vidéo, nous allons partir en PVP, mais également PVE, bah, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ça va aller, tout ça, mais bon. En tout cas, les amis, je tiens à le répéter, on n'a pas de serveur dédié pour les FR, d'accord? Il n'y a pas de serveur pour une version globale, car je le redis, c'est un jeu chinois. Donc forcément, moi, mon ping, je vais avoir de la latence, etc. Je ne sais même pas si je vais gagner un combat, t'as vu? Donc voilà, on verra bien, mais j'ai vraiment envie de vous montrer le gameplay de Mihawk et de Sanji. Et vous allez voir que Sanji, franchement, moi, il m'a impressionné. Let's go! Allez, du coup, on a trouvé un adversaire en PVP. Donc voilà, moi, hein, c'est Zoro, Mihawk et Sanji, les amis. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc du coup, ce n'est pas un bot, il est sur le serveur 1528, très bien. Et lui aussi, il a mis Sanji et Mihawk, hein, forcément. Pour moi, c'est les deux meilleurs persos du jeu, Sanji et Mihawk. Allez, let's go. Ok, donc on prend son temps. Donc vous voyez, hein, mon ping en haut, 300, 400 en rouge. Allez, c'est bon, là je le tiens. Ok, il a appelé son soutien. Allez, c'est bon. Là, par contre, il ne pourra pas faire le soutien. Voilà, bim, on continue le combo. Et voilà, quand c'est en surbrillance, on arrête. Voilà, ça ne sert à rien de continuer le combo quand il est en surbrillance. Allez, par contre, là, je le tiens. Parfait. Allez, pour l'instant, le smoker, il dégage. Choto. Oh non, 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 non. Ok, là, voilà, il a arrêté le combo. Oula. Je vais appeler Luffy. Ah, bah, moi, bien évidemment, moi, ça n'arrête pas le combo, forcément, quand j'appelle l'assist. Allez savoir pourquoi. Bon, la latence, sans doute, le ping ou quoi. Par contre, là, il est en train de me faire mal, là. Là, il est en train de me faire mal. Il est bien revenu, là. Oh là 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 là. Oh là là. Ok, faut faire attention là. Là il a fait une petite remontada. Donc je rappelle, hein, il y a de la latence, hein, les amis, sur le jeu. Quand j'appuie Ok, là c'est bon. Voilà. Ok. Tolo. Voilà. Smoker, ça dégage à la cuisine. Allez, Sanji. Alors là par contre, il va falloir faire attention. Il a Sanji SS. Faut faire attention là. Ok, c'est bon. Let's go. Ok, il a appelé Luffy, il a arrêté le combo. Yes! Pim! Tolo! Yes! Allez! Allez, allez! Vous voyez, Zoro, c'est très fort! C'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Ah! C'est bon! Ça a marché, ça a marché! Mon assist, elle a marché! Ok, on attend. C'est le premier, en fait, qui va faire le premier faux pas. Qui va se faire enclencher en combo, en fait. Faut faire vraiment très attention. Et bien évidemment, bah, c'est moi qui fais le premier faux pas. Bien sûr, toujours. Ok, bon, là, il va me le tuer. Hein. Ok. Maintenant, Mihawk. Mihawk contre Sanji SS. Allez. Donc là, déjà, pim. Voilà. Ok.
Ok, il a appelé Luffy. Mihawk, c'est très fort aussi. Hein. Franchement. Oh là 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 là. Ah, je me suis raté. Le timing n'était pas bon. Et ça, malheureusement, les amis, c'est avec la latence. Le timing n'a pas été bon. Et là, je vais ramasser. Hein. Là, je vais ramasser. Bah ouais, bah ouais. Oh là là, il m'étourdit. Il continue le combo. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, j'espère que je pourrai vous le montrer également moi-même avec Sanji. Mais il peut étourdir Sanji. Ok, oh là là, ce qu'on lui fait. Oh. À la cuisine. Mihawk, ici. On remet Sanji à la cuisine. Mihawk contre Mihawk. Donc là, il faut faire attention. Ok. Ah. Bien évidemment. Ok, là, là, il va faire mal. Là, il va faire mal. Bien évidemment, je fonce dans sa tornade comme un teubé. N'importe quoi. Ok. Allez, on active le boost. Ouh, aïe, aïe. Et voilà, j'ai voulu dash. Mais malheureusement, vu que j'ai un ping de daube, bah ça va pas dash. Alors là, c'est parti. Sanji, ça va casser de la bouche. S'il te plaît, Sanji contre Mihawk. Ça, c'est fort déjà. Bim, hop, les 1000 pieds. Ah, bien évidemment, j'ai pas pu le reprendre. Et bien sûr, bah du coup, il m'enchaîne. Bon, tant pis, ça n'a pas marché. Mon assist, pareil, pour couper le combo, n'a pas marché. Tout va bien. Allez, 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 Sanji, mon petit. Montre-nous le cuistot, là. On va le cuisiner. Ok, dans le vent, c'est n'importe quoi, là. Allez, allez, j'ai pas dit mon dernier mot. On va le gagner, ce combat. On va le gagner. Ok, c'est bon. Je le tiens. Voilà, on continue. Vous allez voir, là, c'est très fort. Voilà. Hop. La jambe enflammée. Et là, on continue. Et on recontinue. Voilà. Bim, on continue. Allez, encore. Voilà. Là, hop, encore. Voilà. Bim. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment c'est puissant. Comment c'est puissant, Sanji. Let's go. C'est trop puissant. C'est ce que je vous disais. C'est trop, trop puissant, Sanji SS, mais c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. On est sur un perso de fou furieux. Tu mets Mihawk et tu mets Sanji ensemble. C'est incroyable, la vérité. Et je rappelle que Sanji SS est à obtenir gratuitement sur le jeu. C'est fou. Hop, ok, une petite étoile supplémentaire. Donc, on va avoir des récompenses en plus. Parce que ici, on est sur un jeu gacha généreux. Fruit du démon, ça nous permet d'aller invoquer. C'est très bien. Ok, parfait, voilà. Vraiment, ce jeu, il est généreux. Pour le coup, je trouve que c'est une... Oh, 100 fruits du démon encore en plus. Parfait. Allez, on va partir en PvE à présent pour vous montrer également que c'est très fort. Parce que en PvE, les amis... ouais, bah voilà, Mihawk, Zoro. Le soutien de Crocodile est incroyable. Avec Mihawk, avec le soutien de Crocodile, c'est incroyable. Vous allez voir par vous-même. Ceux qui me suivent déjà sur Twitch savent que c'est très, très puissant. Ok, let's go. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, j'ai Crocodile en soutien. Voilà. Hop, voilà. On les met tous au milieu. Ils sont absorbés. Et là, boum, on les fume. Et là, c'est terminé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pour moi, Crocodile, en PvE, est le meilleur soutien possible sur le jeu. Ok, let's go. Donc, Mihawk, hein. Poum. Allez, ça, ça dégage. Voilà. Bim. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comment c'est fort. Regardez-moi ça comment c'est très très fort. Et même on peut le voir, hein, la mécanique de gameplay, graphiquement, la fluidité, ça répond hyper bien sur le jeu. Franchement, on est sur un excellent jeu là. On est sur un excellent jeu. Voilà, hop, lui on va le finir tranquillement. Voilà. Tranquille. Pareil, je vous ai toujours pas montré l'attaque ultime de Mihawk, on va vous la montrer. Parce que du coup, j'ai pas pu la faire en PVP tout à l'heure. Donc là, du coup, on va la faire. Donc, Crocodile, hop, voilà, ils sont absorbés. Et là, regardez bien. Là, ça va chier des bulles carrées, clairement. Là, 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 c'est... Pas. Oh là 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 là. Oh, le style. Oh, le flow. Oh. Pa, 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 pa. Oh là 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 là, la boucherie. La boucherie, clairement, c'est la boucherie. C'est la boucherie, les amis. Et là, bim!
Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand t'es fan de One Piece, tu vois ça, la vérité, tu peux que kiffer. Tu peux que kiffer. Franchement, franchement, les gars, hop, 30 fruits du démon encore. Et voilà, on reprend des fruits du démon. Franchement, ce jeu est incroyable. Est-ce que vous avez vu le soutien de Crocodile avec Mihawk? Il y a la grosse tornade de Crocodile, tout le monde est absorbé au milieu, et tu tapes dans le tas avec Mihawk. Pour moi, c'est le meilleur soutien qu'on peut avoir sur le jeu One Piece Fighting Pass en PvE, clairement. Donc en PvE, c'est quand tu joues contre l'IA, et en PvP, quand tu joues en online. Au cas où, je préfère le redire pour les personnes voilà, qui veulent se mettre un petit peu dans le jeu ou qui ne connaissent pas les termes. Mais clairement, on est sur un jeu de fou furieux, les amis. Franchement, je prends un kiff de fou à jouer à ce jeu. On a vraiment un diamant entre les mains et c'est gratuit. Et je rappelle, hein, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, la Mihawk là, que vous voyez là, je l'ai eu gratuitement en fait sur le jeu. Arrivé à 9 multi-invocations, tu es sûr et certain d'obtenir le perso, parce qu'il y a un système de pity. Et clairement, le jeu est très généreux. Pareil pour Sanji SS. Tu l'as gratuitement en faisant des missions. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a les deux persos les plus forts du jeu gratuitement sans mettre le moindre euro, quoi. Sans mettre un seul centime sur le jeu, tu as les deux persos les plus puissants du jeu. Franchement, les amis, voilà. Espérons une version globale. En tout cas, max de pouces bleus sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ça vous montre un petit peu, voilà, le gameplay. Et puis, bah, du coup, mon coup de cœur pour ces deux personnages. Et puis également Zoro, hein. Qui, voilà, est mon troisième perso coup de cœur et celui que je kiffe dans l'univers de One Piece. On attend Aokiji, on attend Luffy Gear Segundo, on attend également Zoro Ashura qui devrait arriver prochainement. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!